Et bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour une ouverture de colis. Je vais tout vous expliquer. Donc en cette année 2024, j'ai décidé de commencer la série des jeux de From Software, les Dark Souls, etc. Vous indiquerez dans une prochaine vidéo qu'est-ce qui m'a amené à vouloir essayer ces jeux. De tout un cheminement qui s'est passé, du coup. Donc, je m'intéresse aux Dark Souls pour certaines raisons. J'ai acheté cette compilation du 1, 2, 1, 2, 3. Le visuel est vachement sombre. J'aurais bien aimé que les jeux à l'intérieur, donc le 1, le 2, le 3, reprennent les visuels ou les visuels un petit peu modifiés des jeux originaux. Mais vous avez juste, du coup, les écritures avec un visuel, c'est très très sombre. C'est pas du tout un objet du type collector, c'était même pas très cher. Désolé, ma voix peut partir en vrille, on est très tôt le matin. Donc, j'ai voulu commencer par Dark Souls. Je suis en train de faire le premier. Mais j'ai pas envie de les enchaîner tous. Alors, le chat va passer. J'ai pas envie de les enchaîner tous. Je préfère varier les plaisirs, découvrir autre chose. Non, le chat. Voilà. Donc, après Dark Souls 1, je ne compte pas enchaîner sur le 2. Faut que je joue à autre chose. En gros, là, je vous explique en ce début d'année, je suis en train de me préparer tous les jeux que je vais faire dans l'année, que je prévois de faire dans l'année. Peut-être que je pourrai en faire plus. Donc voilà, du coup, je suis à la recherche de certains titres. Je me suis renseigné, je ne connaissais pas du tout ce type de jeu là avant. Hop, le petit papier. Du coup, je me suis retrouvé à chercher sur internet des jeux d'occasion. Je me suis retrouvé à chercher, voilà, il est là, ce jeu, Nioh. Donc c'est Esprit Samouraï. Le personnage fait, on vous le voyez ici, énormément penser à Geralt de The Witcher 3. Donc ça, c'est un jeu qui était conseillé, si vous aimiez les jeux Dark Souls. Certains me disent qu'il est plus dur que Dark Souls, etc. Bon, écoutez, on verra. Hein. Donc ça, c'est un jeu que je vais essayer. Donc ça, je vais essayer dans l'année. Et ce jeu n'était pas très cher, sur une annonce Le Bon Coin. Du coup, je regarde chez le vendeur, qu'est-ce qu'il a comme autre jeu. Et je trouve un jeu, d'abord, c'est le visuel qui m'a attiré. Le chat. Voilà. Mais je suis jamais tranquille. De toute façon, maintenant dans la maison, c'est très très compliqué d'être tranquille pour faire des vidéos. Du coup, ce jeu-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'essayer. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, ce que je veux vraiment faire, c'est je commence un jeu, je vais jusqu'à ce que je l'ai terminé. En gros, je ne bouge pas les jeux des consoles et une fois que je l'ai fini, je peux seulement commencer un autre jeu. Ça, c'est quelque chose que vraiment je vais essayer de faire parce que avant j'avais du mal et du coup, j'ai des jeux sur lesquels j'ai joué pendant 2-3 ans à force d'y revenir, de retirer, de rechanger, etc. Donc, je vais essayer que ça n'arrive plus. Du coup, parmi les jeux que vendait la personne qui possédait Nioh, je l'ai acheté 7 euros, donc c'est vraiment pas cher. J'avais des annonces à partir de 10, certains le vendent 15, 10, 8. 18, là c'était 7. Du coup, bah, c'est pas cher du tout. Je pense pour l'expérience que c'est, moi, c'est vraiment top. Du coup, parmi les autres jeux, il vendait celui-ci. Mass Effect Legendary. Donc une compilation Mass Effect sur PS4, des trois premiers volets, du coup. Et d'abord, c'est le visuel qui m'a attiré, je trouve extra, les couleurs et tout. Je sais pas, normalement, je vous le mets là, vous le voyez très bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant, la semaine, il y a 10 jours à peu près, ouais, j'ai joué à la démo de Andromeda, Mass Effect Andromeda sur PS4. Non, Andromeda, c'est pas un épisode forcément apprécié des Mass Effect, apparemment, de ce que j'ai lu. Ils osent moins de choses, du coup, par rapport aux autres Mass Effect, c'est un peu déçu. Mais du coup, j'ai bien aimé, ça va, j'ai bien aimé. Du coup, je me dis que Mass Effect, ce serait peut-être une série à faire, surtout que j'entends que du bien de ces jeux-là. Vraiment, dans leur genre, c'est des jeux qui sont vraiment top, Mass Effect. Du coup,
Je vois que je peux avoir, donc lui était à 20 euros, un peu plus cher, 20 euros. 7 euros, celui-ci, voilà. Donc je dis, bah, 7, je le mets dans le panier et je me retrouve avec cette compilation-là aussi. Donc, une compilation comme celle de Dark Souls, trois jeux. Donc je me dis que je vais faire le premier Dark Souls, ensuite sûrement le premier Mass Effect. Il vaut mieux commencer par les premiers. Ensuite, peut-être Dark Souls, une run plus machin, là, je ne sais plus le nom, Game Plus, ce truc-là. Ou commencer le 2. Ou commencer Nioh. Enfin, je choisis, c'est vraiment très bien. À l'intérieur, donc je ne sais pas comment c'était, si c'était un boîtier ou un jeu ou quoi. Non, c'est juste visuel, c'est juste une boîte de jeu avec, j'imagine, trois disques dedans. Voilà. Trois disques. Trois disques ou deux? Non, il y a l'air d'en avoir que deux. Peut-être qu'il y en a deux superposés, je sais pas. Bon. PS4, Mass Effect. Il y a deux disques. Donc, vu que c'est des Blu-ray, je suppose que. Je crois pas que les premiers Mass Effect, c'était des jeux de génération PS4. Je crois que c'était des générations PS3. Je ne suis pas sûr parce que du coup, je ne me suis pas renseigné. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je sais qu'ils sont vachement bien réputés, ces jeux. Mais du coup, je ne connais pas vraiment le contenu. À part que c'est du gameplay. FPS. Après, FPS, c'est pas ce que je préfère comme jeu, mais là, c'est du RPG. Si on peut changer la vue pour pas avoir la vue FPS, bah, ça sera top, comme j'avais fait pour d'autres jeux. Donc voilà, c'était juste une ouverture de ce colis-là. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de qu'est-ce qui m'a fait vouloir jouer au Dark Souls. Allez, et c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.